إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد طيب دونك les actes antidatoires de l'islam toujours les cours de على ادله التوحيد القول المفيد على ادله التوحيد لننسى ما زريفي او شابيتخ نميرو سيس، قال شيخ رحمه الله، بلوتو، أه، نكتانيلاتوار نميرو سيس، شرح النقد، ناقد السادس، قال شيخ رحمه الله، من استهزي بشيء من دين رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه أو عقابه، كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم طيب donc le sixième acte annulatoire de l'islam qui est le fait De se moquer de quoi que ce soit de la religion, du messager d'Allah, salam, Le messager d'Allah, la preuve, le verset d'Allah, nous dit dit est-ce d'Allah, de ces versets, de son euh, messager, que vous vous moquez Ne vous excusez plus. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi, après avoir cru. L'explication de Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah, الله, au sujet de cet acte annulatoire. Qala rahimahullah, al-Sadis, le sixième, l'auteur nous dit le sixième, c'est-à-dire le sixième acte annulatoire de l'islam. Celui qui se moque de quelque chose, hein, faisant partie de la religion du Messager d'Allah, ou de sa récompense ou de son châtiment, aura mécru. La preuve à cela, la parole d'Allah que nous venons de citer. Donc, Sheikh al-Fawzan nous dit ceci est un chapitre hein, Ceci est un chapitre immense. Immense. Également, en tant que chapitre très, très immense, très important, également le chapitre qui le précède, qui est le chapitre numéro 5, qui est le fait de détester, de haïr, quoi que ce soit, de ce avec quoi est venu le messager d'Allah, le fait de détester, hein, qui est une œuvre du cœur, tandis que se moquer, Tandis que Sheikh Al-Fawzan nous dit Amma ne le fait de se moquer, fahwa min aqwal l'isane. <coughs> ce sont des paroles venant de, de la langue. naham Wa haadhi il ayat al-karima, jaa fi sabab nuzulia. Donc ce noble verset nous dit Sheikh Al-Fawzan, il est venu par la cause, hein? Justement, Sheikh Al-Fawazan va nous expliquer euh, que ce verset est venu pour une cause spécifique. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de musulmans qui étaient en expédition avec le messager d'Allah, le prophète, dans une expédition qui s'appelait Razwa Tabouk. Ils se sont réunis dans une assise et ont commencé, et ont commencé à, à discuter, à parler. L'un d'eux en disant Nous n'avons pas vu euh, une lecture comme la leur. Naham. Et il commençait à se moquer du prophète, Ali wa anhum wa Et dans cette assise, il y avait un jeune qui faisait partie des Ansar. Donc, on dit de lui que c'est Aouf ibn Malik qui dit à cet homme qui se moquait du prophète, il lui dit Tu as menti. Mais tu es un munafiq, un hypocrite. Je vais informer le messager d'Allah. Cette personne qui avait assisté à cela est partie informer le messager d'Allah. Quand il arriva pour informer le Messager d'Allah, il a trouvé qu'il qu avait été précédé par la ré révélation. C'est-à-dire qu'entre-temps, le Messager d'Allah, il avait déjà reçu une révélation à ce sujet. Allah avait informé le Prophète de cette assise, de ces gens et de cette assise. Et que l'un de ces hommes, s'était moqué du prophète et de ses compagnons, et que le reste qui était avec eux, les gens qui étaient avec eux, n'ont pas, hein, pas désavoué cela. Nahum. Et lorsque cela est descendu au messager d'Allah, donc il est descendu de l'endroit où il était, il est parti euh, par rapport à ces mauvaises paroles qui l'ont euh, qui, qui atteint. L'homme euh, qui était venu, il y a un homme qui est venu s'excuser auprès du messager d'Allah, alayhi salam. Le le, en disant au messager d'Allah, alayhi Toi salam, nous ne faisons que bavarder, railler, naham. Ali Donc le messager d'Allah s.a.w. ne s'est pas euh, arrêté à lui Il hein, n'a pas fait attention à lui Il ne faisait que lire le verset Le verset que nous avons cité à l'initial Est <coughs> d'Allah de ces versets, de son messager Que vous vous moquez, ne vous excusez pas Vous avez bien, bel et bien, bien m'écru après avoir eu la foi, après avoir cru. Donc, Cheikh Al-Fawazan nous dit, en ce qui concerne le verset, vous avez bien, vous avez, bien, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Ceci est la preuve qu'ils étaient des croyants, ils n'étaient pas des hypocrites, ce sont des croyants qui se sont moqués. Cheikh Al-Fawazan nous dit, cela nous indique que le fait de se moquer d'Allah ou de ses messagers, ou de savoir quoi est venu le messager d'Allah, ou de. Euh, ba'da wa Islam. Cela induit que la personne deviendra mécréante, elle aura mécru après avoir cru, et elle aura apostasié de la religion de de l'islam. Naham, comme mentionné dans le verset, le verset qui est le point témoin, qui témoigne de ce, de ce jugement. Et s'il est dit que ce sont ce jugement est pour les hypocrites, Sheikh al Fawzan nous dit Alors dans ce cas là n'aurait pas dit Vous avez bel et bien mécru après avoir cru, parce que les hypocrites ne sont pas croyants à la base. On ne les nomme pas croyants, mais on les nomme euh, hypocrites. Et Allah nous dit dans un autre verset au sujet des hypocrites Ils ont prononcé la parole de mécréance, ils ont mécru après s'être soumis, c'est-à-dire après leur islam, après l'islam. Traduction rapprochée du sens du verset. Et dans ce verset, il n'est pas dit hein, euh, après leur, leur foi, après qu'ils aient, qu aient cru. Donc, Chir al-Fawzan hafizah Allah nous dit Le sens de l'islam, du mot islam, son sens, c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait d'informer hein, extérieurement, hein, de crier hein, son entrée dans l'islam. Et si la personne n'est pas véridique dans son cœur, alors il est mécréant à l'intérieur, mais en apparence il est musulman. Mais en apparence, il est musulman. Et c'est cela le munafiq, l'hypocrite. C'est celui qui cache la mécréance et qui montre l'islam. Donc, le verset n'est pas pour les, les, les hypocrites, Naham. Alors

mentionné au début par l'auteur de l'acte annulatoire ce verset nous dit Sheikh Al-Fawzan nous indique des choses immenses premièrement qu'il est obligatoire de respecter de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à sa grandeur et de ne pas le rabaisser car cela est de là celui qui fait cela c'est de la mécréance comme l'ont dit les juifs la main d'Allah et les juifs disent « La main d'Allah est fermée. »« ghullat wa Jusqu'à la fin du, du verset. « Naham » Donc les juifs, hein, ils ont rabaissé Allah, subhanahu wa regardez ce qu'ils ont dit. Et les juifs disent « La main d'Allah est, est fermée. »« Naham » وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. Ils ont dit aussi Allah est pauvre et nous sommes riches. ومثل مقالة النصارى مثل مقالة النصارى exemple aussi de rabaissement hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala de la part des chrétiens إن الله هو المسيح ابن مريم Hein? Allah c'est le Messie fils de fils de Marie Allah c'est le Messie fils de Marie donc Cheikh al nous dit nous a donné des exemples il dit ça, ça c'est un, un rabaissement vers Allah, c'est rabaisser Allah et c'est de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala Deuxièmement, le fait de rabaisser le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi de la mécréance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de de naham. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de respecter, d'immensifier hein, euh, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ô oh, vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, subhanahu wa taala. Il est Allah et audient, il est Allah et et omniscient. Ô oh, vous qui avez cru, N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous, comme vous haussez Le ton les uns envers les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah, baissent leur voix, sont, sont ceux dont Allah... à éprouver les cœurs par la piété. Ils sauront, ils auront un pardon et un énorme, une énorme récompense, Naham. Ceux qui appellent à autres, à haute voix derrière les Naham. Derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne, ne résonnent pas. Donc, voilà. والرسول, والسلام, Le messager d'Allah, Alisatwa Salem, Naham, on l'appelle par, par le message. On dit Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Naham, au messager d'Allah, au prophète d'Allah. On ne dit pas au Mohammed par son prénom. On s'adresse à lui par le message ou la prophétie. Hein? Ceci, est un, un, ceci est de manière à, à, à lui donner son haut rang. Naham. Et c'est pour ça qu'Allah s'adresse euh, à lui par le message ou la prophétie. Mais il ne l'appelle pas. Son nom n'est pas mentionné, Mohammed. Il l'a maqam al Sauf lorsque c'est dans un statut d'information. Mais lorsqu'on l'appelle. Pour informer. Mais lorsqu'on l'appelle, non. Naham. La troisième chose, puisqu'on a dit, et il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs, il y en a sept, huit. Huit. Ici, il y a huit choses, apparemment huit. Non. Il y a huit choses à mentionner. Il y a huit choses à mentionner. Al-Fawzan nous a dit, le verset hein, initial nous indique des choses immenses. Le verset 1, hein, où Allah a dit, est-ce des, des, des versets d'Allah, de son messager, que vous vous moquez Ne vous excusez pas. Vous avez, bien, vous avez bel et bien mécru après avoir était croyant Naham. Donc la troisième chose se rapportant à ce verset, c'est qu'il est obligatoire de respecter le Coran Naham, de respecter le Coran et de l'immensifier, parce que il est la parole d'Allah subhanahu wa et la parole d'Allah subhanahu wa est plus méritoire, méritante que toutes les autres paroles. C'est comme le mérite d'Allah comparé à ses créatures. Naham. Parce que la parole d'Allah, c'est un de ses attributs. Il est obligatoire de respecter le livre d'Allah. Naham. Et euh, de lui donner sa, sa, dignité, sa dignité. Naham. Et de lui donner euh, tout le respect. Qui lui est dû La quatrième chose C'est qu'il est obligatoire De respecter la religion de l'islam Et de ne pas la rabaisser Et de ne pas la critiquer En quoi que ce soit Parce que c'est la religion d'Allah Et c'est ça, législation Il n'est pas permis à qui que ce soit Il n'est permis à qui que ce soit Dans le sens de la négation D'attaquer Cette religion De la rabaisser de parler dessus euh, avec des paroles qui l'abaissent ou de la moquerie hein, ou de la raillerie ceci est obligatoire naham c'est l'obligation envers allah et son messager et l'obligation envers la religion de, de l'islam naham La cinquième chose, c'est qu'il est obligatoire de respecter la sunna du prophète sallallahu wa sallam. respecter, dignité, hein. respecter la parole du messager d'allah qui est la révélation venant d'allah subhanahu wa taala, wa ma hawa, illa yuha, yuha. Et Allah le dit dans le Coran en parlant du messager d'Allah, il ne prononce pas sous l'effet de la passion, mais c'est plutôt une révélation, un message révélé, traduction rapprochée. Euh... Donc, Sheikh Al-Fawzan nous dit il est obligatoire de respecter la Sunna du messager d'Allah, il n'est pas permis de la critiquer, de s'en moquer en quoi que ce soit. Celui qui fait cela aura, aura apostasié de la religion de l'islam. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est de respecter les rulamas. Parce qu'ils sont les héritiers du prophète. A et Allah les a élevés en rang, en degré. Naham, ils ont le plus haut rang, le plus haut degré. Allah nous dit dans le Coran, surat al mujadala verset 11. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ceux Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science. Il les a élevés en, en degré Traduction rapprochée. Donc ceux-là, c'est-à-dire ceux qui se moquent, Allah nous en protège. Ils sont tombés dans ce crime. Il parle. Cet homme misérable a parlé. Hein? Cet homme misérable a parlé en se moquant du messager d'Allah, et et de ses compagnons. Donc, cette parole, celui qui s'est moqué, il s'est moqué aussi des ulamas, puisqu'à l'époque, ceux qui lisaient le Coran, ce sont les savants. Naham. Alors, la parole qu'il a proférée, nous n'avons pas, pas vu de, de lecteur comme cela. Hein? Euh, il parlait des ulamas des rulamas, qui sont le messager d'Allah et ses compagnons, ses nobles compagnons. Alors nous tirons de cela. Alors Shir al-Fawozan il explique qu'il dit, euh, entre-temps Shir al-Fawozan il explique il dit que, parce qu'à l'époque, ceux qui connaissaient le Coran, c'était que les rulamas. Tandis qu'aujourd'hui, euh, les, les gens, euh, il n'y a pas que les rulamas qui connaissent le Coran. Donc à l'époque, cet homme il s'est moqué du prophète Aïsatwa Salem, et des compagnons qui eux étaient les Rulamas. Les donc shikalfozan nous dit nous tirons de cela c'est-à-dire on profite de cela que le fait de rabaisser les Rulamas par rapport à leur science quelle que soit l'époque hein, quelle que soit l'époque entre dans ce verset parce que cet homme a dit nous n'avons pas vu à l'exemple de ces lecteurs hein, c'est-à-dire les, les savants donc cela comprend tous les savants à euh, plutôt les savants naham, à toute époque les savants on doit avoir sur la nous dit du respect pour eux naham, les maîtres les considérer à leur rang à leur haute place parce qu'il porte le livre d'Allah et la sunnah du prophète, il porte la science hein, vers les gens. Il est obligatoire de les respecter. Et le prophète dit, le mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est comme le mérite de la lune comparé aux autres étoiles. Naham. Et le prophète a dit, et le savant, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur la terre et sur les cieux, demande le pardon pour lui, jusqu'à même les poissons dans l'eau. Allah Ta'ala nous dit dans le Qur'an min ulama. Et les ulama et ceux parmi les serviteurs d'Allah qui craignent le plus Allah sont les ulama. Fa'l ulama hum jalla Shir al-Fawazan nous dit Les savants sont les gens de la crainte d'Allah, qui craignent le plus Allah, parce qu'ils connaissent le mieux Allah Ta'ala. Et qu'ils ont une véritable connaissance qui les amène à vénérer Allah et à le, le craindre. Plus une personne augmente en science, plus elle augmentera en crainte d'Allah. Il est donc obligatoire, nous dit Shir al de respecter les savants et naham, de respecter les savants et de ne pas les critiquer. Donc, de respecter les savants et de ne pas les, les critiquer. Donc, regardez. Regardez ce que nous dit Shikhal Fa'ozan. Ça, ça ne doit pas entrer d'une oreille et sortir de l'autre. Regardez, on est en plein dans ce contexte-là en ce moment. Donc, c'est vrai que je vais faire une petite parenthèse en même temps. On est en plein dedans. Regardez ce que nous dit Shikhal Fa'ozan. Et j'ajouterai que si la plupart des gens étudiaient la harkhida mais quand je dis étudier c'est étudier, mettre en pratique, assimiler et tout ce qui va dans le, dans le sens et eh bien regardez il ne tomberait pas dans ce, ce crime il ne tomberait pas dans ce crime naham regardez ce que nous dit schalfusen il est obligatoire de respecter les savants celui qui les rabaisse entre dans le sens de ce verset. est d'Allah, de ces versets, de, ces, de son messager que vous vous moquez Shir al il dit ça entre dans ce verset, le fait de rabaisser les, les, les ulama les savants. Naham. Donc attention, on est en plein dedans en ce moment, il y a beaucoup de gens qui critiquent les savants, etc., qui rentrent dans les fitna, dans les troubles. Alors ici, on a une règle, hein, basée sur un verset, n'entrez pas dans les troubles, ne critiquez pas les ulama Barakallahu fikum. Septième chose importante en rapport avec ce verset, le verset en question. Il y a dans ce verset le fait de respecter la généralité des musulmans ou le musulman à titre individuel ou en groupe mais respectez les musulmans. Huitièmement, euh, Huitièmement, ce verset alors cheikh al nous dit ce qui est étonnant ce qui est étonnant l'étonnant c'est que celui qui a parlé dans cette assise en tant qu'une personne hein, allah a généralisé le il a fait une généralité dans le jugement hein, il a mis au au pluriel c'est-à-dire que ils ont tous été rendus coupables de la moquerie parce que les autres n'ont pas euh, désavoué. Alors le hukm, le jugement est général. Il est tombé aussi sur eux Parce qu'au moment où ils se sont tu sur le blâmable, le mal, hein, alors ils se sont rendus associés avec celui qui le fait. Avec celui qui le fait. C'est pour ça qu'il aura été réprouvés, ils ont été réprimandés. Hein? Euh... Alors, c'est pour cela que le jeune qui était avec eux et qui s'est désavoué de ce qu'ils ont fait, lui, il n'a pas été touché par par le péché, par ce jugement. Mais sinon, les autres... Du fait de, de leur silence, ils ont été associés à ce péché, Naham, à ce jugement. Alors, Sheikh al nous dit cela nous indique que celui qui est présent assiste à des assises de mécréance, de moqueries sur la religion de son messager, hein, de la religion et du messager, des compagnons, des savants, et qui ne, désavoue pas, qui ne se désavoue pas de cela.

Alors, la traduction en français du verset qui nous dit Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Naham, tu ne dois pas rester. Naham. Cheikh al nous dit après ce verset Fadalla ala anna la yankar sabballah. Cela nous indique que Celui qui ne se désavoue pas Qui ne réprouve pas, qui ne réprimande pas euh, Ceux qui insultent la religion Naham Ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala Qui insultent le messager d'Allah qui, insu qui, euh, qui insultent Les compagnons Qui insultent la religion, qui insultent les ulama Il est à l'exemple de ceux il est dans le même lot que ceux qui insultent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annexé ceux qui se moquaient celui qui se moquait à ceux euh, qui étaient présents et qui n'ont rien fait Naham. Donc Sheikh Al-Fawzan nous dit dans ce verset il y a d'immenses jugements qui sont nécessaires, obligatoires, qu'il faut que le musulman médite dessus. naham, Pour ne pas tomber dedans et prendre garde à cela. Wahed il katira an-nas el yaoum. Donc il y a beaucoup, Shir al fawzan nous dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui tombent dedans, qui sont touchés par ça. Le fait de se moquer, se railler de la religion, des savants, de se moquer de la sunna, du Qur'an. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Le kitab et ne sont pas valables aujourd'hui, à notre époque. Naham, on n'en a pas besoin. Naham. » Donc beaucoup de gens ont des paroles comme ça, des affreuses paroles, nous dit Cheikh al Donc Inch'Allah, on a commencé ce, cet acte annulatoire. ان شاء الله dans لو prochain cours الله، on terminera cet acte annulatoire سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين